is a firestorm. Eh bien salut tout le monde, c'est Fab Design, donc on se retrouve pour le 6 ou 7ème épisode, je sais plus trop. Bon, ce sera écrit dans le titre, hein, juste en dessous là ça va être écrit. De l'aventure sur Human Revolution de Zex. Donc oui, on cherchait comment rentrer dans cette boîte de nid, le Hive, si je me souviens bien le nom. Et en fait, en cherchant une entrée, donc soit on a payé 1000 de crédit, sachant que j'ai acheté beaucoup d'armes et de munitions, je n'ai plus beaucoup d'argent. Mais en écoutant un peu, en parlant un peu aux civils qui sont autour là ici, j'ai entendu dire qu'en fait, lui, il avait dit qu'il y avait une entrée quelque part derrière. On va regarder si on peut rentrer par derrière. Donc là, il y a encore les égouts. Donc apparemment, il y a une entrée quelque part ici. Je sais pas où il a vu une entrée derrière. Ah ok, peut-être par là. Munition pour pistolet mitrailleur. Ouais, je sais pas si ça soit très utile, j'en ai pas. Non, c'est pas par là, on s'éloigne de l'objectif, The Hive. Sûr qu'on peut rentrer quelque part. Ces cartons doivent servir à quelque chose là. Voilà, il l'avait caché. Ça doit être là. Voilà, il suffit de chercher. Si j'arrive à rentrer, allez, faut un carton. Un carton. Voilà. Voilà, là, c'est relou ça par contre. Hein. Voilà. On monte, on s'accroupit et on avance. Voyageur. Ok, bah voilà. J'ai réussi à rentrer sans payer. C'est ce que je cherchais parce que vraiment 1000 de crédit, c'est pas que c'est beaucoup, mais c'est un peu chaud à avoir du crédit sur ce jeu. C'est pas très facile. Voilà, on est rentré. Par contre, j'ai peur qu'on soit suspect maintenant vu qu'on n'a pas payé l'entrée. J'ai vu qu'il n'y a pas de choses à ramasser. De la bière, j'en veux pas. Ok, super utile. Voilà, j'allume tout. Ok, il dort. Je fouille tout, on sait jamais. Des fois que je trouve une carte de crédit avec beaucoup d'argent, ça m'arrangerait. C'est bizarre. Quand même un comble, le propriétaire de la boîte de nuit la plus sélecte de Ensha a son bureau dans un vieux sous-sol qui empeste. Monsieur Tom, okay. Bon, déjà, on sait que c'est dans le sous-sol. Ouais, juste en écoutant ça, les civils. C'est eux la police dans cette ville. Au cas où tu le saurais pas, ils ont été engagés pour lutter contre la corruption. Et je peux les appeler quand je veux, parce que mon père est là. C'est super. Donc je pense si que j'ai peur que si j'essaye d'ouvrir ça. En plus c'est niveau 4, de toute façon j'ai pas de niveau 4. Alors, je vois ce type. Et j'ai pas envie sur le sol dans la de déclencher une émeute dans la boîte de nuit. C'est bah tiens. Pour vous, c'est ça? Demandez à voir Tong. Je voudrais voir Tong. Tout le monde veut voir Tong. Allez voir dans le salon VIP à l'étage. Et je vais prendre un verre aussi. Pour vous, c'est ça? Une boisson. En plus, faut payer. Donnez-moi Shungen Percut. Je vais prendre un Slumdog, Phoenix, Andor. Donnez-moi un Shanghai Uppercut. Vous parlez bien de la boisson, là? Tenez. Ok. J'ai obtenu une Shanghai Uppercut. Tu vois à quoi ça ressemble? Examiner. Augmente votre santé de 25 points. Un maximum de 200 points. Ouais, c'est pas mal. Donc à l'étage. Bon, merde, je l'ai plus. Mon carnet électronique. Par là-bas. C'est vous le barman? Ouais. On peut dire ça.
Bon, je veux voir le patron. Ah ouais? Ah, ça tombe mal, Guaylo. Monsieur Tang Xihong ne reçoit pas. Écoutez, j'ai pas traversé la moitié du monde pour qu'on me dise non. Alors vous allez être gentil et me dire où il est. Sinon quoi? Vous allez détruire quelques murs avec vos jolies petites augmentations? Le hive, ça veut dire la ruche, vous savez. Et dans une ruche, il y a plein d'abeilles ouvrières prêtes à tout pour se défendre. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Monsieur Tong pourrait faire pour vous? Je cherche quelqu'un. Un expert en cybersécurité du nom d'Harry Van Bruggen. Vous connaissez? Hein? Ça me dit rien. Il a fait quoi? Adultère? Escroquerie? Sa mission a mal tourné, et maintenant son employeur est à ses trousses. Mais vous le saviez déjà, parce qu'un homme comme Monsieur Tong n'en achète pas les armes ici. Non. Et tout le monde sait que les fuyards viennent d'abord ici pour obtenir de l'aide. Alors assez joué comme ça, et amenez-moi voir Tong. Vous vous y prenez très mal. Vous me faites perdre mon temps. Van Bruggen, c'est un petit minable. Tong sait qui il est, mais il s'en fiche. Il a des choses plus importantes à voir. Conseiller, insister, préciser. Si vous ne savez pas encore où Van Bruggen se trouve, alors Tong est en retard. Je peux peut-être l'aider, sinon mettons les informations en commun. Les gens qui traquent Van Bruggen travaillent à l'échelle internationale. Si vous ne savez pas encore où il est, alors Tong est en retard. Je peux peut-être l'aider, si nous mettons nos informations en commun. Ne mentez jamais à un menteur. Van Bruggen est du très gros gibier. Vous le savez, je le sais, et bien sûr Tong le sait. Vous ne savez rien que nous ne savons pas déjà. Ça regarde les gens d'ici, ceux de Hengsha, et pas les Guaylo. Vous avez de la chance. De toute façon, en tant qu'étranger, vous savez pas comment la partie se joue chez nous. Je dispose de soutien et de renforts que personne ne connaît, plus mes ressources personnelles. Pourtant, on peut en profiter seulement si vous me laissez le voir. C'est un vrai avantage d'être un étranger. Je dispose de soutien et de renforts que personne ne connaît, plus mes ressources personnelles. Votre patron peut en profiter, seulement si vous me laissez le voir. C'est à vous que Van Bruggen aurait dû demander de l'aide, au lieu de venir ici. Mais nous l'avons aidé. Nous, on lui a trouvé une planque sûre. Je vous fais une proposition. Nous, on veut Van Bruggen que pour 2 ou 3 missions. Après ça, il nous servira plus à rien. Alors soyez gentils, revenez dans un mois, et là, je vous montre moi-même où il est. Insistez, on ne se débarrasse pas de moi comme ça, j'en ai marre de tourner autour du pot, je vous pose une dernière fois une question. On ne se débarrasse pas de moi comme ça, j'en ai marre de tourner autour du pot, je vous pose une dernière fois la question. Où est Tong? Si vous avez tellement envie que ça que la reine dragon vous ouvre le ventre en deux, je vais pas aller contre votre avis. Je suis qu'une abeille ouvrière, rien de plus. Le bureau de Tong, c'est en bas. Je vais dire aux autres de vous laisser passer. Ben voilà. Pas les trucs à ramasser, c'est jamais. Mais qui rentre dans son bar comme ça, tranquille. Autorisation. Est-ce que je peux? Je peux pas. Ok. On va aller au sous-sol. Donc, je savais déjà en fait que c'était au sous-sol, les civils en parlaient tout à l'heure. Mais il fallait l'autorisation. C'est la chambre froide. Ouais, une bière ça m'intéresse pas. Juste voir si je peux ouvrir ça. S'il y a bien des trucs importants dedans. Non, je peux pas. Vous savez quoi, je vais utiliser un... j'en ai plus. J'étais sûr qu'il m'en restait pourtant. Des brouilleurs d'infos. Bon, j'irai voir ça après. Voilà, on se bourre un peu la gueule. Voilà,
Vous avez vu? Les pandas se sont loupés dans la quatrième. Ça m'a coûté un paquet de fric. Monsieur Tong? Vous venez juste de le comprendre? Vous avez pas le cerveau très vif? Dites-moi pour qui vous travaillez, et je verrai si je peux vous dire ce que je sais sur Van Brogan. Sarif Industries, ça vous dit quelque chose? Sarif Industries? C'est pas l'entreprise américaine qui a fait les gros titres il y a quelque temps? Elle existe encore? Pourquoi cette question? Suffit de regarder les infos. Il y a pas mal de faillites d'entreprises de biotechnologie ces temps-ci. Surtout celles qui fabriquent les augmentations. Van Brugen est à Alice Garden Pods. Capsule 301, c'est un 3 rat, mais des fois c'est pratique. Et laissez-le dans le même état que celui dans lequel vous l'avez trouvé. Ou sinon? À vous de voir. Disons seulement que vos implants iraient très bien à quelqu'un d'autre. Ok. Mission accomplie 1000. Oh bon, en fait, ils m'ont redonné l'argent, j'aurais été boursé, mais que je n'étais pas... Malik, t'avais raison. Ton guet Van Brugen, il l'a planqué au Alice Garden Pods. C'est bien ce que je pensais. Un pirate qui s'est pénétré à travers les parfums d'entreprise ne peut qu'intéresser les triades. Je suis au Pods, en fait, Jensen. Tu veux que j'intervienne? Non. Ne va pas te mettre en danger. Je serai bientôt là. Je pense que je peux pirater ça. Ok. Je peux pas. Voilà, je trouve une sortie. Juste retourner voir le mec là qui vend des trucs parce que ça m'intrigue tout ça. Ah ok. Apparemment on pouvait venir par les égouts. Ah mais c'est par là que je suis venu, je suis con. Non même pas, je suis pas venu par là moi. Ok, je trouve des nouveaux passages. Ah voilà. Tout à l'heure j'essaie de passer par là. Ça a pas trop marché. Enfin tout à l'heure. Donc je sais plus du tout par où c'est. Je vais un petit peu dans la chance. Par là. Tout ce que je veux c'est sortir. Moi. Je veux une sortie. En fait, j'aime pas utiliser mon arbalète. Hein. Ok. Donc apparemment, ça m'a pas sauvegardé le truc que j'ai acheté dans l'épisode précédent. Bon, on va y retourner. Hein. Au pire, je pense que je vais faire une ellipse. Parce que, ouais, je vais pas vous remontrer exactement la même chose. Ah bah, j'y suis. C'est là. Donc ouais, donc on se retrouve quand j'aurai tout acheté, que je serai dehors. A tout de suite. Et bah, re tout le monde, donc je viens de sortir des égouts. Donc, je me suis racheté tous les équipements. Je préfère même viser la laser sous le gun, parce que c'est vrai que ça j'ai peu de munitions, donc j'attends d'avoir plus de munitions. Alors que de gun j'ai pas mal de balles, donc j'ai mis le viseur laser. Et le kit de dégâts. Donc il rend plutôt pas mal, je trouve. Voilà. J'ai acheté aussi l'arbalète. Qui est là, voilà. Puis bah c'est tout, après c'est des augmentations et des munitions. On va essayer de se barrer de là. Hop, on saute par dessus. Bon ça c'est le journal, j'en veux pas. Je ne lis pas le journal moi.
c'est là-bas. Faut prendre l'ascenseur, je pense. Ouais. Ou alors non, c'est même pas l'ascenseur en fait. C'est une sorte de transition. C'est dans les tunnels, je crois, par l'autre côté. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Faut que je remonte, si je retrouve les escaliers. C'est quoi ça? Ah, c'est l'alarme. C'est une alarme. Je sais pas où je suis là. Jensen, j'allais partir. Qu'est-ce que tu fais ici, Malik? Je t'ai dit que j'avais la situation en main. Je sais, j'ai rien fait du tout. Crois-moi, Van Brogen est tout à toi. Attends un peu, il y a un truc pas net. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Une fille a bien droit d'avoir ses petits secrets. Taquiner. C'est ce que fait tout ton charme. Je vois bien que quelque chose te préoccupe. Je doute que le patron aime que sa pilote se mette dans les ennuis. Bien sûr. Mais je vois bien que quelque chose te préoccupe. Et je me sens concerné. Qu'est-ce que t'as? C'est juste. Je devais vérifier quelque chose pour une amie. Elle méritait pas ça. Je t'écoute. Bon, puisque t'es si curieux, j'ai vécu ici il y a des années de ça, tu te souviens? Mon amie, ma meilleure amie, Evelyn, on était comme des sœurs. On s'amusait bien ensemble. Et puis, il y a eu un accident. Elle est morte. Désolé, Malik. Attends, Jensen, laisse-moi terminer. J'ai essayé d'oublier, mais... je savais qu'elle n'était pas morte par hasard. Elle avait été tuée, assassinée par son connard de petit copain. Je savais que c'était lui. Je savais que c'était une ordure depuis le premier jour. Mais elle voulait pas m'écouter. Malik, doucement. Si ton ami avait été assassiné, la police se serait doutée de quelque chose. Il y aurait eu une enquête. Et pourtant, il n'y a pas eu d'enquête. Ils ont dit qu'elle était tombée dans les escaliers, que c'était l'accident bête. Mais ses blessures, la façon dont elle est morte, ça colle pas. Tout est là, dans l'analyse du sang qu'ils ont retrouvé. Analyse du sang? Tu as lu le rapport de police? Oui. Un ami en a déposé une copie dans une capsule ici pour que je puisse la lire. Je sais que ça a l'air dingue, mais je crois que son meurtre a été maquillé en accident. Il faut juste que je le prouve. Si je pouvais avoir le rapport d'autopsie, celui qui est jamais sorti, je saurais la vérité. Sauf que... pourquoi je sens que je vais me laisser entraîner dans un truc pas clair? Écoute, Jensen, je suis désolée. Je sais que Van Brogen est notre priorité, et je t'ai dit que c'était mes affaires et que je pouvais me débrouiller toute seule. C'est juste que... plus j'y pense, plus je réalise que ça me dépasse. Je suis pilote, pas flic, mais je dois découvrir la vérité. Ok, je vais t'aider. Détails, non, je veux pas de détails. Malik, tu m'excuseras, mais je n'ai pas le temps pour ça. Ok, je vais t'aider. Qu'est-ce que je dois faire? Mon contact, il travaille pour Amplib. C'est un technicien système qui a apparemment accès à toute leur base de données. Il veut bien nous fournir le rapport d'autopsie d'Evelyn. Et tu veux que ce soit moi qui aille le voir et que je récupère le rapport? Oui, mais on a convenu d'une phrase à prononcer. La mort et la vie obéissent au destin. Et il doit répondre, les richesses et les honneurs dépendent du ciel. Merde, Malik. On se croirait dans un mauvais film d'espionnage. Je sais. Mais il essaie de se protéger. C'est pas moi qui ai choisi les citations. Alors fais avec, et surtout oublie pas ta phrase, ok? Tu le trouveras dans le hall de la clinique Amplib de la ville basse. Et il a un nom, ce gars? Je le connais pas, mais il utilise un pseudo. Anonymous X. Je sais, je sais. Anonymous X. Ok. Autre chose? Ouais, avant que j'oublie. Tout le dossier sur la mort d'Evelyn, coupure de presse, rapport de police, rapport d'Amplib, tout est dans la capsule 009, ici, dans l'hôtel. Tu devrais tout lire si t'as le temps. Capsule 9, compris. Il faut que j'y aille. Tiens-moi au courant et... merci. Ça me touche beaucoup, Jensen. Ok. On nous a remis une mission secondaire, du coup. De la Terre est gravement atteint. Et il est de notre devoir... donc je pense qu'on va aller faire la mission secondaire et puis bah dans le prochain épisode on finira la mission principale. T'as un truc là, je te le pique. C'est quoi? Fléchette tranquillisant. Non, j'en veux pas en fait. Voilà, c'est là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est ça? Oh là là, j'ai pas envie de lire, mais c'est vrai. Si vous voulez le lire, je vous fais un petit...
voilà. Mettez sur pause si vraiment vous voulez lire l'histoire. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va aller là-bas. Ça à 40 mètres, ça va, c'est pas trop loin. Exit. C'est par là ? Ouais. Ah bah c'est par là que je suis rentré. Un truc là-dedans. Non, c'est qu'un ordi. T'intéresse pas. M'intéresse pas. J'espère que c'est pas trop loin. Hein. Alors. Ça va, ça à 80 mètres. C'est pas si loin que ça. Limb, bah voilà, bah c'est indiqué. Indiqué sur les murs. Excusez-moi, est-ce que vous savez où est la clinique en plus ? Vous voulez parler du projet Panchaya ? Excusez-moi, monsieur. Ouais, c'est là. Vous savez comment on peut aller chez Taïwan Medical ? Voilà, non, ouais, c'était juste à côté en fait. Hein. Ouais, c'est par là. Oh bah c'est comme dans notre ville de base. C'est à peu près pareil. Il faut chercher. Moi, je vais fouiller tout. Hein. Je veux des médocs, moi. Je veux des médicaments. Bon. Des fois, il y en a ici. Je me souviens que j'en avais chopé, mais là, apparemment, il n'y en a pas. En plus, faut que je cherche parce que j'ai pas d'indication. Faut que je cherche Anonymous X. Pas d'étage là-dedans. On peut pas l'ouvrir. Ouais, ça me paraît bizarre hein, tout ça. Non, c'est pas là-dedans en tout cas. C'est pas là-dedans, même pas du tout là-dedans. Je vais juste vérifier si c'est bien là-dedans. Ça, on peut pas rentrer dedans. Ok, je vais voir si c'est des munitions de Typhoon, je l'ai pas encore débloqué. Pro Cyber Boost Protéine. Pro, pourquoi je dis protéine? Pro énergie. Kit de dynamisation. Ouais, il faudrait que j'achète ça. Mais vu le peu d'argent que j'ai, c'est pas maintenant que je l'achète. Je vais retourner dehors. On va voir si c'est bien là-dedans. Ou alors peut-être monter par autre part. Peut-être aller sur le toit ou je ne sais trop quoi. Oh, je me suis complètement couru en fait, c'est même pas là. Si si hein, c'est là-dedans. C'est bien là-dedans. Non. C'est pas aussi, on sait jamais, ça peut être l'un d'eux. Parle tout chinois. Et le téléphone. Et si je parle à lui là, ça se trouve c'est lui. Vous ne voyez pas que je suis occupé. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est lui. La mort et la vie. La mort et la vie obéissent au destin. Comment ? Oh, et les richesses et les honneurs dépendent du ciel. Très bien. Bon, et maintenant ? Chut, ils ont des yeux et des oreilles partout. Retrouvez-moi dehors. Tournez à gauche depuis l'entrée et descendez l'escalier. Je vous attends au coin.
Ok, donc c'était lui. Je me disais bien s'il avait pas une gueule d'infirmière. Et que sa casquette, sa chemise à carreaux là. J'espère juste que cet épisode va pas être trop long. Même malgré l'éclipse que j'ai fait. Enfin l'éclipse. L'ellipse. L'éclipse. Par ici. Venez vite. Je suis soulagé de voir qu'au moins vous êtes un pro. Eh ben comme ça nous sommes deux. Oui, enfin, vous n'êtes pas exactement ce à quoi je m'attendais. Je devais rencontrer une fille. Comment je peux savoir que vous n'êtes pas un imposteur ou un agent double? Tout ça pourrait aussi bien être un piège pour me coincer. Écoutez, ne le prenez pas mal, monsieur X, ou quel que soit votre nom. Mais je suis plutôt pressé. Alors donnez-moi ce que je suis venu chercher, et je repars tout de suite. Oui, tout est là. Le rapport d'autopsie sur la mort d'Evelyn Carmichael. Tenez. Merci. J'espère que vous ferez bon usage de ces renseignements. Parce que les sens de la responsabilité et de la justice ne sont plus très à la mode, je crois. Ça me fait de la peine de voir que cette ville, autrefois sublime, ce bastion de la réforme et du progrès contre l'oppression communiste, tombe en ruine à cause de la bureaucratie des multinationales et de la corruption. Oula. Cette corruption si typique des gouvernements occidentaux. Si vous le dites. Bon, si ça ne vous dérange pas, je vais y aller. Il y a encore la question de mon paiement. Nous avions convenu de 1000 crédits, je crois. C'est ça? Depuis tout à l'heure, je vais te faire des échos. De toute façon, j'aime pas 1000 crédits, j'ai 700. Un petit conseil. Quand vous essayez d'extorquer de l'argent à quelqu'un, ne lui donnez pas ce qu'il demande avant qu'il vous ait payé. Comment? Ça veut dire que vous n'allez pas me payer? Mais j'ai pris de gros risques pour obtenir ce dossier. Dites-vous que c'est une bonne leçon. Et ne soyez pas amer. Vous, espèce d'escroc, vous le regretterez. Un jour, je vous aurai prévenu. À la prochaine, X. C'est dommage. De toute façon, j'avais pas mis le crédit à te donner. Déjà, je les ai pas donnés pour en prendre la boîte de nuit. Alors, c'est pas un vieux mec comme toi que je vais les donner. Hein. Donc, voilà. Donc, je pense on va se quitter sur ça. Donc on verra ce qui se passera, l'objectif là-bas, écoutez. Moi je vous dis à une prochaine, j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, la phrase que je dis à chaque épisode. Donc on se retrouve à une prochaine, donc pour le prochain épisode ou pour une autre vidéo. Je vous dis à plus, c'était Fab Design, salut tout le monde. This is a firestorm.